moyen de sortir les vaches. C'est pour les emmener à la Fricoville. On est en pleine forme. Toujours. Il a rendu 10 normalement. Ouais. Il y en a 11, alors on est obligé de faire deux tours. Elles vont rester là-bas, celles-ci? Ah oui, elles vont rester là-haut jusqu'à fin août. Elles ne prennent pas partie des concours, celles-ci? Ah non, pas ceux-là. Non, non, d'accord. On les trie expo, bon. On va pas aller les chercher là-haut. C'est trop costaud, hein? Ouais, c'est ça. Elles vont toutes avoir des cloches, là. Là, on va en mettre 6. Excité là. Ouais, elle est un peu pressée. Ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Il faut faire attention là avec les cornes. Hein. Oui, oui. Toi qui va comment? Bon, mais ça a aussitôt chargé, aussitôt parti. Hein. Ah oui. Donc là, là, on les amène, elles vont être contentes de. Bah oui, parce qu'elles sont dedans depuis début novembre. Ça commence à faire long quoi. Depuis, la, depuis notre première vidéo, là. Un bourré. Un bourré. Trois doublons. Deux bourrettes. Une vache, un veau et cinq veilles. Ah. Comment vous préparez ce concours? Oh. Un mois. Un mois. C'était pas facile, hein? Ah oui? Hein? Donc tout ça a bien changé, hein, maintenant t'es... Bah, mais on s'habitue à force. Ouais, j'ai vu aussi que t'as beaucoup appris aussi sur la salaire avec les concours, non? Bah oui, aussi. Au contact des autres éleveurs. Oui, après de voir un peu ce que les autres font, ça nous aide quoi. Donc voilà, après on essaye de faire pareil. On prend les bons conseils, on laisse les mauvais. Oui, hein? Après ça fait voir ce que nous on sait faire aussi. Alors qu'est-ce qui t'a le plus appris toi depuis les premiers concours? Bon, c'est comment les préparer quoi, pour comment les tondre et tout quoi. Dans ce milieu. Ah, mais c'est sûr, quand t'es pas connu après. Mais bon. Maintenant, ça fait bien quelques années qu'on y va. Voilà. Cette année, c'est à côté. C'était ta réaction à l'annonce du verdict? Ben, déjà, il nous a fait mettre deuxième, là. Vous croyez pas qu'on soit premier? Je suis fier d'avoir fait premier. Moi, j'ai pas vu le plus beau. Ben, je suis content. Nadal est parti. Ah oui. Il est parti où? Il est parti dans le Cantal. On va amener combien de bêtes? Bon, une vingtaine, je pense. Je les prépare pas bien avant. Une semaine avant. Ouais. Normalement, elles sont toutes dressées. On les dresse au sevrage, alors. C'est marrant. Comme les motocross quand elles prennent la bosse. Là c'est pour le relevage, là c'est pour les distributeurs, là c'est la température, là c'est ben, la lueur qui va. Alors, bonjour, regardez, il y a Picheron derrière.
Bonjour. De la Mélanie nationale. Alors Mélissa, elles t'attendent là, tu viens les voir tous les jours? Ah oui, on vient tous les jours. Ah, tu veux le ramener là-bas. Alors, comment il s'appelle, Mélissa? Le Trésor, il s'appelle. Alors, le Trésor, qu'est-ce qui t'a plu chez le Trésor? Bah, ses aplombs, surtout, et son caractère. Et son bassin, et puis ses larges épaules aussi. De la catégorie? Des devants. Il vient de? Chez Gaec, chez le cadet à Trisac. Nadal, il est parti? Oui, chez Fabre. Dans le Cantal. Les matins? Oui. En quad? Bon bah quand il pleut on prend la voiture parce que on viendra même bien nous. Hein. Ouais. Ça t'aimerait même. Ouais. Elle nous suit tout le temps. Ah ouais. Ah super. Ah elle s'appelle comment elle? Secrète. Ah. Et lui, comment tu l'as appelé? Univers. Ça va? Est-ce qu'on l'emmène? Je sais pas. Normalement, c'est l'écoute, oui. C'est l'écoute, oui. Super. Alors Mélissa, quelle est la particularité de ce tracteur? Ben, celui-là, on l'a pris avec la boîte Vario. Vu qu'il a le chargeur, ça ira mieux, je pense. Il a tout sur un coudoir, quoi, du coup. Et il est qu'arrivé il n'y a pas longtemps, alors on a un peu le temps de venir voilà. On est passé des salaires de Mélissa au Montbéliard de Dylan. Voilà, c'est ça. Alors, un petit mot, toi, bon, t'aimes bien la salaire, mais. Ben moi je suis passionné de la vache Montbéliard. Moi je trouve que c'est une belle race, la salière je l'aime bien aussi. Mais je préfère produire du lait que de la viande. Comme ça au moins on se bat pas. On a une race chacun et chacun de notre côté. Du lait et du fromage et du Saint-Nectaire. Voilà. Hein, du Gaec, de l'eau vive. De l'eau verte. Voilà, de l'eau verte. Et il est affiné à Saint-Guéry. Ouais. Saint-Guéry, la Charpe Pont. Ah mais moi alors là j'ai trouvé. C'est comme ça, tu vois, elles sont patientes, elles viennent nous voir, mais à la traite, c'est dur pour la foncer. Ah ouais. Elle a 70. 70 le tiers. 70 à la traite. Là. Voilà. On va pas sortir, non? Non. Alors, bonjour. Mettez-vous là pour la photo, voilà, bien. Allez-y, voilà, mettez-vous là, voilà, bougez plus. Voilà, c'est bien. Attends, mais, hein, elles viennent pour la photo, c'est super, hein. On va se mettre là, voilà. Voilà, regardez. Oh, putain. Ouais, super. Attends, bouge pas. Ah, c'est bon. Voilà, regardez par là, voilà, bien. Les dernières, là, dépêchez-vous. Tu vois, elle s'approche pas de la Montbéliard, hein. Ouais. Allez, merci. Au revoir. Merci.